Le peuple les a vécues, avec pour ainsi dire solidifié quelque chose comme semblante, minérale et violente de leur viande à l'état d'un boucher, même nous en salons de leur rendre vérité. Leur cœur même, la dure et courte frère de cette terre à laquelle il était collé pour ainsi dire rendre à rendre, les joints ouverts, près d'un rocher, matière venue, les plus claires cachées de cendre sur un fond couleur ruine, et plus foncées couleur de son péché d'une coupe brunâtre allant parfois jusqu'au meuble sombre, presque bleu. Comme si la matière dont elles étaient faites avait continué d'explorer l'origineuse du mâchère, comme si le peuple les avait cuites, avait pour ainsi dire solidifié quelque chose comme semblante, minérale et violente de leur viande à l'état d'un boucher, même nous en salon de leur rendre vérité. Leur cœur même, la dure et courte frère de cette terre à laquelle elle était collée pour ainsi dire rentre à rentre, les joints ouverts près d'un rocher grisâtre. Une première partie avec Hélène Burgos et avec Yves Grandrand et en Saint-Éloi. C'est pour ça qu'on a appelé ça rafale de mots. Rafale. Parce que foot, il faut que ça y aille. Hein. Et donc vous avez l'occasion de prendre la parole et de dire vos mots. À l'époque de Noël, dans le centre-ville de la ville de Montpellier, tous ceux qui se promènent là-bas peut-être sont reconnus quelques-uns, quoi que ça change selon les saisons. Et puis, j'ai pris des photos, j'ai envoyé à des amis, des propositions visuelles et les siennes de ce côté, pour pouvoir les identifier. Ce qui nous relie, c'est justement la graphie, qui est au centre de sa vie, puisqu'il a été formé pour le graphisme. Et puis par la suite, c'est un compagnon dans le domaine de la conduite de l'imprimerie. C'est un conducteur, imprimeur, typographe, imprimeur. Mais ça va au-delà de ça. La chose se complique encore plus. Donc ça, c'est l'aspect pictural, graphique de son œuvre de créateur, dont je ne veux pas mettre un adjectif. C'est à chacun de vous de se faire une idée. Mais ce qui est clair, ce qui m'intéresse à moi, c'est que son œuvre visuelle, pour moi, porte pas un message, mais porte à travers les signes plus qu'un questionnement, il porte la rafale justement, il va aux cibles, il cible. Ça veut dire cible, c'est à la fois une cible qui nous cible. Ça, c'est la première aspect. Il est en capacité de gérer entièrement la fabrication et les procédés de fabrication, d'impression, de photographie, etc., de nos productions. Donc, globalement, au départ, il y a une société de production. Ensuite, après, ça a un petit peu changé avec c'est Jacques Lang qui a pris. Qui a considéré que les arts graphiques faisaient partie aussi des œuvres de l'esprit, et que pouvaient être exécutés par des gens qui étaient à la maison des artistes, et que c'était reconnu en tant que. Avant lui, un artiste pouvait dessiner par exemple un visuel sur une affiche, mais il n'avait pas le droit de placer les textes, en quelque sorte. Donc on avait monté cette session en 10 jours, et après ça a magnifique, qu'on puisse faire ça dans de tels délais. Et puis voilà, ça a commencé comme ça, avec Jean, avec ce premier titre, et puis ça a continué, il m'a fait connaître Patrick Dubost, Périne Brézin, j'ai rencontré d'autres gens, et puis on a continué à fabriquer des trucs. Toujours avec une équipe très très réduite. Donc vous avez une vision. On est complètement indépendant, personne ne nous aide, donc on choisit. Moi je choisis les gens. Donc depuis 15 ans, bon, si on regarde les lignes, on voit qu'il y a une ligne qui se dessine, projetée, donc c'est ce qu'on dit. Mal à sangle. Mauvais sang. Thank you.
Sanguine stanza. Sanguine stanza. Impression de galerías. Impression de galerie. Hormigas. Fourmis. En las venas. Dans les veines. Tan próximas a ruinas. Si proche de ruines. Érosion interne. Érosion interne. Cenizas de la incandescencia. Cendre de l'incandescence. El paisaje verde ordinario. Le paysage vert ordinaire. Lienzo blanco. Toile blanche. L'obstination plus el desvelo. L'obstination plus l'insomnie. El desgaste de ese cielo. L'usure de ce ciel. Limpio. Limpide. Anegando. Inondant. El instante en llamas. L'instant en flamme. Hasta cuando. Jusqu'à quand. El mistral extremo. Le mistral extrême. Látigo flagelante. Fouet flagellant. El desgaste de ese cielo. L'usure de ce ciel. Tierra desmoronada. Terre déboulonnée. Erosión interna. Érosion interne. Miriada de sentimientos. Myriade de sentiments. Ensangrentados como nacer. Ensanglantés comme naître. Agglutinados en los sesos. Agglutinés dans la cervelle. Cavidades para el viaje. Cavité pour le voyage. Hacia la nada. Vers le néant. Sísmico sentido que hace errar zarandear. Séisme du sens qui fait errer, trémousser. Arqueo del alma. Courbure de l'âme. Blanca noche. Nuit blanche. Niebla meona. Nuage dans l'urine. Hormiguero de letras. Fourmilière de lettres. De palabras. De paroles. De phrases. De phrases. De strophes. Delante de los ojos el horrible enigma. Devant les yeux l'horrible énigme. Lienzo blanco. Toile blanche. Hormiguero del silencio. Fourmilière du silence. También el pincel prisionero de la noche. Le pinceau aussi, prisonnier de la nuit. Raíces en los párpados. Racines dans les paupières. Poco a poco la mirada se va nublando. Peu à peu, le regard commence à se couvrir. Llovizna de sangre. Ruine le sang. Herida hirviente, llena de hormigas. Hinchazón de la paciencia. Cereza triste del corazón. Cae, rueda. Aquí y allá, hasta el fango de su madurez. Blessure bouillonnante pleine de fourmis, boursouflure de patience, cerise triste du cœur, tombe, roule ici et là, jusqu'à la boue de sa maturité. Atolondramiento de todo el cuerpo, hormigueo en los dedos, cabeza exirosa, duende sangano, sin eco, mi amor, hervor está loco. Étourdissement de tout le corps, fourmillement dans les doigts, tête squireuse, esprit frelon sans axe, ni amour, bouillonnement écarlate. El mordisco frenético del ángel, ángel andrógono, él y yo, la misma llaga, inventada por el diablo, incansable, el torrente siempre purpúreo. La morsure frénétique de lèvre, ange androgyne, lui et moi, la même plaie inventée par le diable, inlassable, le torrent toujours pourpre, del placer, du plaisir de la et de pena, la peine, de la verdad que no nos deja, ni siquiera respirar, ni ritmo engañado, déflagration, enfer, intime, destinée.